Bonjour et bienvenue dans la Meute. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et on se retrouve sur une présentation de mode, et pas n'importe quel mode, le mode survive. Le but de ce mode est de complexifier la survie, et pour ça il rajoute deux contraintes, donc l'énergie et la soif. On va d'abord commencer par la soif. Donc, on peut prendre une fiole, aller à côté de l'eau et la récupérer. Le problème, c'est que si on boit cette eau-là, on n'est pas sûr de ne pas être intoxiqué. Donc là, ça va, ça m'a redonné de l'énergie. Mais là, ça me donne donc de la soif. C'est le même effet que de la faim pour la chair putréfiée. Pour remédier à cela, on peut récupérer de l'eau et venir la purifier. Donc pour ça, soit on va la chauffer pour obtenir de l'eau purifiée. Et là, on pourra la boire sans aucun problème. On peut aussi utiliser une gourde. C'est exactement le même principe qu'une fiole, mais on peut récupérer jusqu'à 3 doses d'eau. Sauf que pour purifier cette eau-là, il ne faut pas la mettre dans un four, mais il faut crafter un objet un peu spécial que voici, qui va venir purifier. On peut le mettre ici, avec notre gourde, et ça le purifie. C'est un objet qui peut se casser au fur et à mesure, mais c'est très pratique, parce que pour le crafter, il faut juste un charbon de bois et deux papiers, et on en obtient deux. On peut donc purifier en plus grosse quantité et ne pas avoir à faire des allers-retours vers l'eau. On peut aussi purifier un seau d'eau pour la rendre donc un seau d'eau purifiée. Et aussi donc pour les bols, on peut récupérer de l'eau dans les bols et la purifier. Pour l'énergie, c'est très simple. Dès que vous allez faire une action comme courir, miner, sauter, vous allez progressivement perdre de l'énergie. Et pour regagner votre énergie, soit il faut s'arrêter et attendre, soit il faut dormir. Ensuite, il y a un principe de température. On voit là, il fait 37,5 degrés, donc une température qui va bien. Si on se rapproche de la lave, la température va commencer progressivement à augmenter. Et plus la température augmente, plus on va avoir chaud et on va avoir des effets négatifs. Pour voir la température, il y a aussi un thermomètre. C'est un objet qui peut se trouver dans les structures, qui permet de voir s'il fait trop froid ou trop chaud. Comme il y a une seule source de lave, là je n'ai pas des effets secondaires. Mais s'il y a un lac de lave et que je reste trop longtemps devant ou dans le nether, je pourrais avoir des effets secondaires. Si le thermomètre est au maximum, je vais avoir beaucoup d'effets secondaires et pareil pour le minimum dans un biome neige ou etc. Pour se protéger du froid et du chaud, il y a deux armures qui sont implantées dans ce mode. Donc une armure de laine et une armure donc glace et miel. Pour les crafter, c'est très simple. Pour la laine, il suffit juste voilà, de faire les équipements de base avec de la laine. Pour l'autre armure, on va mettre une fiole de miel et de la glace. Hop, on va récupérer la fiole. Et avec ceci, on va pouvoir donc faire des armures. Hop. 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 Donc si je vais ici, même si il fait très chaud, je ne vais pas prendre de dégâts. Et pareil donc avec l'autre armure. Voilà, c'est tout pour ce petit mode. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et mettre un pouce bleu. Et nous on se dit à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao !